Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation de la technologie de transport à cordes. Alors aujourd'hui, je suis très, très, très content parce que je vous revois encore et je partage avec vous les merveilles de cette nouvelle technologie de transport qui est déjà en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Alors, aujourd'hui, dans cette présentation, nous parlerons tout d'abord du transport à cordes et ses avantages. Ensuite, nous verrons les facteurs négatifs de l'acteur de l'homme, de l'activité de l'homme, autant pour moi, qui conduisent à la destruction de l'environnement, en parlant des risques et des problèmes de sécurité du système de transport actuel. Nous verrons donc les possibilités et les perspectives du système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Par après, je vous montrerai comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique et sûr et les avantages que vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Et nous terminerons bien évidemment par quelques dernière nouvelle du projet. Alors, nous commençons tout d'abord, bien évidemment, par me présenter. Je suis Donatien Gérard, bien évidemment, et je suis engagé pour apporter ma part de contribution à l'avènement de ce transport écologique et sûr. Depuis 2018, j'ai décidé de rejoindre le train des partenaires de Skyward Community. Et le transport à cordes dont nous parlons aujourd'hui, c'est le transport à cordes d'Uniski String Technology. C'est une technologie de transport qui se déplace au-dessus du sol sur des rails à cordes à haute résistance. Il permet d'éviter les embouteillages parce que la structure de la voie est au-dessus du sol. Pas de pollution car il fonctionne à l'électricité et au gaz respectueux de l'environnement aussi. Il peut être construit sur toutes les zones climatiques de la planète, sur n'importe quel type de terrain, partout dans le monde. Aujourd'hui, les systèmes de transport actuels font face à quatre grands problèmes majeurs dans quatre secteurs différents. Le premier secteur, c'est la sécurité. Sur le trajet de la structure de transport à cordes, il est au-dessus du sol et cela augmente la sécurité de près de 100 fois. Ensuite, le deuxième aspect, c'est l'écologie. Le transport U-Sky est alimenté par l'électricité. Voilà pourquoi il réduit considérablement les échappements polluant l'atmosphère. Le troisième aspect, c'est l'économie. Les frais de construction des voies U-Sky sont jusqu'à 20 fois moins élevés, okay, 20 fois moins chers que tous les autres types de transport réunis. Vous imaginez, qui ne voudrait pas d'un tel système de transport? La vitesse de déplacement peut aller jusqu'à 500 km par heure pour le transport de grande vitesse comme UniFlash. Alors, dans cette autre image, on peut donc voir les quatre secteurs dont je viens de parler et qui se résument en la destruction de la nature, qui est le premier problème que le transport moderne actuel rencontre. Le deuxième, les embouteillages. Le troisième, la pollution atmosphérique. Et le troisième, le dernier et quatrième problème, le taux d'accident du transport. Alors, les solutions existantes aujourd'hui se sont toujours avérées inefficaces. Voici donc ce que la technologie U-Sky offre. La compagnie propose plusieurs véhicules pour toute solution simplifiée pour le transport de passagers et de marchandises, comme l'Unibike, l'Uniwind et l'Unitruck pour le transport de cargo. Aussi, à côté de cela, nous avons l'Unicar, l'Uniflash, l'Unitrans et l'Unicante. Alors, voici sur une image présenter presque tous les modèles de véhicules parce qu'il faut savoir aujourd'hui que nous avons près de 15 modèles de transport pour le transport des marchandises à la fois et des passagers. Donc voici une image de l'Uniwind qui est présentée
qui est un véhicule électrique léger, monorail, de faible capacité. Alors, voici une autre image. Deux places. Ce véhicule peut prendre deux places. On a l'Unibike, qui est un véhicule électrique de tourisme léger, hors bord, monorail. Ce véhicule peut prendre aussi deux places et aller à une vitesse de 150 km par heure. À l'avenir, cela pourrait être une alternative à la voiture, au vélo et même à la moto. Appréciez vous-même l'image de cette Unibike. Alors, ici nous avons un Unibus, qui est un véhicule électrique de tourisme, destiné au transport urbain et interurbain, qui a une capacité de 14 places et peut aller jusqu'à 150 km par heure. Appréciez vous-même cette autre image de l'Unibus. Là, c'est un Unicar qui peut aller à une vitesse de croisière de 150 km par heure. Un véhicule électrique de passagers à suspension double rail. Il s'agit d'une voiture électrique élégante et confortable conçue pour libérer les rues de la ville des embouteillages. Un Unicar, 3 fois 6 places. Ici, c'est un autre modèle d'Unicar, version tropicale, on dit Unicar tropical, qui a été amélioré pour un fonctionnement dans les zones de climat chaud et une humidité élevée afin de fournir un environnement confortable pour les passagers. Alors, c'est Unicar, voici des partenaires de Skywalk Community qui sont à l'intérieur de cette Unicar. OK? Et selon leurs commentaires, l'intérieur de cette Unicar est semblable à une première classe d'avion. C'est magnifique, tout simplement. Ici, nous avons un Uniflash. Un Uflash est un véhicule électrique de tourisme suspendu sur roues en acier, conçu pour le trafic interurbain de passagers et de marchandises sur une distance allant jusqu'à 10 000 km. Une capacité de 6 places, une vitesse de déplacement qui va jusqu'à 500 km par heure pour le transport de grande vitesse. C'est deux fois plus vite que Sapsan, qui est le train le plus rapide de Russie. Le fonctionnement d'un Uflash pendant 25 ans permettra d'économiser environ 22 000 tonnes de carburant avec un coût de 20 millions de dollars. Ainsi, 1000 Uflash avec l'aérodynamique unique, les propriétés peuvent économiser jusqu'à 20 millions de tonnes de carburant au prix de plus de 20 milliards de dollars. À la fois, plus de 70 millions de tonnes d'oxygène atmosphérique ne seraient pas brûlées et plus de 100 millions de tonnes de polluants ne seraient pas rejetées dans l'atmosphère. Ici, nous avons une autre image, OK, des partenaires de Skywalk Community en présence de notre CEO, OK, qui est aussi l'ingénieur et auteur de cette technologie. Pour le transport de marchandises, donc, nous avons ce Unitrans, Unicont et Unitruck. Le système de transport est conçu pour transporter les marchandises sur une distance de 500 km. Les complexes de transport de marchandises offrent de nombreuses opportunités aux clients et peuvent fonctionner toute l'année dans de diverses conditions climatiques. L'Unitruck, il est spécial. Il est spécialisé dans le transport des marchandises en vrac avec une vitesse allant jusqu'à 150 km par heure avec chargement et déchargement automatique. Ici, nous avons un Yukon qui est utilisé pour transporter des conteneurs maritimes de 20 pieds et 40 pieds. La vitesse de transport maximale est de 150 km par heure. Leur chargement et déchargement est automatique. Le contrôle de la vitesse et de l'itinéraire est assuré par les systèmes de contrôle automatisé. Alors ici, nous avons l'Utrans, qui est la solution optimale pour les opérations minières dans les zones minières, les opérations de chargement et de déchargement des terminaux portuaires maritimes. Cela vous permet d'effectuer rapidement et à moindre coût le transport de volumes importants de matériaux en vrac, tels que le sable et les petits cailloux.
Alors, les ports maritimes, il faut savoir que les principaux avantages de l'utilisation du système de transport de marchandises jusqu'à et dans le port maritime sont les suivants. Premièrement, nous avons la livraison de marchandises en vrac liquide et encombrante à une distance de 5 à 10 km ou plus de la côte. Premier élément. Le deuxième élément, c'est l'amarrage des grands navires qui ne nécessitent pas la création de murs de quai, des dragages ou le renforcement à terre. Il est possible de livrer les marchandises au port maritime situé à une profondeur allant jusqu'à 25 mètres. L'infrastructure portière et le système de transport jusqu'à forment ensemble un complexe logistique unique pour la livraison de marchandises. Le transport implique la livraison de marchandises d'une entreprise minière à la cale d'un vraquier sans stockage intermédiaire. Alors, la vie linéaire en union avec la nature, Yuskaï, les pistes Yuskaï contribuent au développement des villes linéaires. Les villes linéaires peuvent être construites dans les montagnes et dans les zones désertiques et inondées, y compris celles avec un terrain difficile, ainsi que sur des plateaux marins. Lors de la construction de villes linéaires, il ne sera pas nécessaire de couper les forêts, de construire les routes et les voies ferrées, de perturber autrement la biocénose dans la zone de construction, de développement, la biogéocénose. Alors, une ville respectueuse de l'environnement avec des complexes de transport et d'infrastructures Yuskaï intégrées utilisant des technologies brevetées des rails Yuskaï et du viaduc Yuskaï. Ici, c'est une maquette de la ville linéaire. Alors, U-House, une vue panoramique sur l'éco-maison U-House. U-House, verte, écologique et durable. C'est la seule aux Émirats arabes unis construite entièrement à partir de bois. Les maisons en bois sont une alternative plus écologique et économique que les maisons traditionnelles en briques et en béton. Cela dit, U-House répond à toutes les normes de sécurité incendie et l'éco-architecture du bureau suit une tendance, suit les tendances et les normes mondiales. C'est aussi une technologie qui fait partir groupe de société Sky et de laquelle vous pouvez devenir copropriétaire en participant à ce projet. Voici donc comment fonctionne cette technologie de transport. Nous avons vu les différents véhicules qui existent dans la technologie. Maintenant, parlons-en de la technologie. La principale technologie, les éléments principaux de la technologie sont les têtes, la tête du rail qui est en acier. OK. Nous avons aussi préliminairement des fils tendus et des fils d'acier tendus, voilà, qui sont là comme des petits points blancs, vous pouvez voir. Nous avons aussi l'élément de remplissage qui est un béton spécial, okay, conçu également par le docteur Anatoly Nitsky, et le corps du rail constitue donc l'enveloppe. Voilà comment est constitué le rail du transport à cordes. Ce transport est 5 fois plus lisse et 3 fois plus fort que les autres technologies de transport existantes. Cette technologie peut être incluse dans les zones avec un terrain difficile et des sols faibles et de pergélisol, ainsi que les régions sujettes aux tremblements de terre et les régions inondables. L'intégration des communications externes, produits, réseaux électriques et autres sur l'infrastructure existante peut être effectué. Alors, aujourd'hui, nous avons plusieurs types de structures de rail. En général, trois. OK? Une structure de rail flexible pour des charges utiles standard jusqu'à 20 tonnes, avec un mode à basse vitesse, 150 km par heure, et grande portée jusqu'à 2 km et jusqu'à 5 km en cas d'utilisation de chaînes composites. Une structure de rail rigide, c'est pour le transport de grands poids jusqu'à 100 tonnes et à grande vitesse, et celui-ci va se situer entre les villes ou la ville et l'aéroport, mode grande vitesse jusqu'à 500 km, petite portée jusqu'à 100 mètres. Alors, le dernier modèle de structure de trajet, de transport à cordes, c'est une structure de trajet semi-rigide qui porte des charges utiles améliorées jusqu'à 30 tonnes, un mode de vitesse rapide jusqu'à 350 et petite portée
à 50 mètres. Le moteur U-Sky peut fonctionner au gaz naturel, méthane, hydrogène et à d'autres carburants respectueux de l'environnement. Ceci a été conçu par le docteur Anthony Liski et il a été breveté également. Les avantages que procure donc ce transport par rapport aux autres systèmes de transport. L'aérodynamique de ce transport est très puissante. Imaginez-vous que le CX, qui représente l'aérodynamique de la voiture, on se rend compte que pour une voiture conventionnelle moderne, nous avons un CX qui est 0,4. Mais pour l'Uniflash, nous avons un CX qui est de 0,06, soit près de 10 fois inférieur à celui d'une voiture conventionnelle moderne. Ce qui permet donc, grâce à cela, cet aérodynamisme, d'économiser beaucoup, beaucoup de carburant, jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. C'est énorme. Alors, à côté de cela, U-Sky surpasse aussi tous les analogues de transport existants dans tous les paramètres technologiques. En termes de coût pour la construction, c'est très bas. La maintenance basse aussi. La consommation d'énergie est très basse. La capacité est énorme. OK? L'Académie russe des sciences a affirmé que U-Sky est le système de transport le plus rentable au monde. Ceci est également confirmé dans la conclusion de l'Académie des sciences russes et signée par le directeur de l'Institut des problèmes de transport nommé d'après Ernest Solomenko, ouvrier émérite des sciences de Russie, docteur en sciences de l'ingénieur, le professeur Believe Ove. OK. Ici, sur cette image, nous pouvons voir que le transport à cordes avec ces différents chiffres est jusqu'à 10 fois moins cher que les solutions de transport existantes et en perspective, comme le monorail, le train à lévitation magnétique et l'hyperloop. L'auteur de la technologie, comme je le dis depuis, c'est ce monsieur, Anatoly Edouardovitch Unitsky, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience que sa création voit le monde. Il est scientifique et inventeur, auteur de plus de 200 articles scientifiques, 20 monographies et plus de 150 inventions dans les domaines de la construction, des transports, de la construction mécanique, des industries électroniques et même chimiques. Créateur des systèmes de transport spatiaux et géospatiaux, et ainsi que de nombreux projets de transport et d'infrastructures basés sur la technologie à cordes. Il a été chef de deux projets à l'ONU en 1998 et en 2002. En 2002, il est membre de la Fédération cosmonaute de l'URSS. Donc, c'est un monsieur très connu et s'il était un acteur hollywoodien, je le dis toujours, il serait très, très connu. Il est aussi très connu dans le monde scientifique. Alors, les premiers complexes de rails à cordes de la première génération a été construit en 2001 dans la ville d'Oziori, en région de Moscou. À cette époque, le camion ZIL 131 était juste spécialisé, utilisé autant pour moi comme module de test. Ses roues étaient en acier et adaptées à une structure de voie ferrée. Alors, l'inventeur du transport à côte a présenté son livre intitulé Capacité de civilisation de la maison spatiale appelée Planète Terre. Et ici, cette image, on peut voir une image du docteur Anatoly Unitsky avec monsieur Alain Bonfils, qui est le curateur régional pour le Cameroun. Alors, quelques brevets et récompenses que l'entreprise a déjà obtenues. OK, en 2018, elle a reçu ce brevet, ce certificat, autant pour moi, pour le système de gestion selon la norme internationale ISO 9001-2015. Alors, voici une image plus rapprochée de ce certificat afin que tout le monde puisse apprécier. Jusqu'ici, Technologies développe et fabrique des complexes de transport et infrastructures conformément aux exigences internationales, ce qui permet d'adapter les produits de l'entreprise à tous les marchés et dans les plus brefs délais. L'activité du ST Inc. est basée sur les principes du système internationaux de gestion de la qualité de l'environnement, de la santé et de la sécurité du travail. Ces approches constituent la base et la clé de la réussite de toutes les exigences pour confirmer la conformité
conformité du complexe de transport et d'infrastructure avec les réglementations. Alors, ce transport accordé aux Émirats arabes unis a fait l'objet d'une certification qui a confirmé que la technologie répondait aux normes de sécurité. L'inspection a touché la structure du trajet, le transport électrique, les supports d'ancrage et intermédiaires ainsi que la station de passagers. Les transports, les travaux de certification ont eu lieu au centre UST Inc. à Sharjah. Vous savez que nous avons deux centres tests. Nous y reviendrons. La certification a passé la conformité aux exigences mondiales en matière de fiabilité, de sécurité et de durabilité du transport à cordes. Voici donc ce certificat que tenait fièrement, ok, notre CEO, cette image. Il a été offert par, il a été délivré, autant pour moi, par l'entreprise Thuringen. Une inscription Technologies aussi est inscrite au registre des sociétés de bonne foi de Biélorussie. Voici ce certificat. Ok, la Chambre de commerce d'industrie de Biélorussie est une association volontaire de 2500 entreprises qui représente tout le spectre de l'entrepreneuriat biélorusse. Et UST Inc. a obtenu le statut d'organisation scientifique également. Ok, la société a été accréditée par l'Académie nationale des sciences de Biélorussie et le Comité d'État pour la science et la technologie de la République de Biélorussie. Plus de 130 brevets dans le monde entier, de la Chine à l'Australie. Et aussi la participation en plus de 20 expositions internationales de Berlin à Singapour. Le dernier en date, c'est le Salon InnoTrans Berlin 2022, où la délégation de l'autorité des transports et des routes de Dubaï a présenté le plan de développement des transports en commun et le modèle Unibike au Salon International InnoTrans 2022. Alors, quelques productions et résultats, qu'est-ce que l'entreprise a déjà de façon concrète? Aujourd'hui, l'entreprise réussit chaque année un audit annuel des états financiers individuels effectué par Finexpertiza Bel Audit LLC, conformément aux exigences de la loi de la République de Biélorussie du 13 juillet 2013 sur l'audit et aux réglementations d'audit. D'accord. Deuxièmement, l'entreprise aussi, SARL BDO, est une entreprise biélorusse qui fait partie de l'Association internationale des sociétés indépendantes BDO International Limited, la société d'Uniskisting Technologies, a passé avec brio un audit en 2021 qui avait été effectué par cette société-là. Aussi, en 2022, notre audit financier international en conformité avec les normes d'information interfinancière en 2022 a été publiée par l'entreprise. Elle a encore passé une fois de plus avec brio cet audit. La succursale BDO fonctionne depuis plus de 20 ans et occupe régulièrement une position de leader sur le marché des sociétés d'audit selon le classement du ministère des Finances de la République de Biélorussie. Alors, qu'est-ce que nous avons déjà? Qu'est-ce que nous avons pu obtenir? Voici un bâtiment de 9 étages qui est situé dans la ville de Minsk, en capitale de Biélorussie. Il est destiné à perfectionner les solutions technologiques les plus essentielles et les plus importantes de notre entreprise. Okay, nous avons aussi une zone de production en Biélorussie sur plus de 10 000 mètres carrés. Et le but est de développer et tester les plus importantes solutions de technologie et savoir-faire clés du transport à cordes. L'extension de la zone de production en Biélorussie. Le centre test en Biélorussie aussi existe, l'Écotechnoparc, qui est le centre de mise en œuvre pratique et de démonstration de la technologie dans la version nord, qui est située en Marina Gorka, couvrant une superficie de plus de 30 hectares. Ok, voici une image. Nous avons vu là des étangs, ok, des étangs où des poissons sont élevés pour montrer à quel point cette technologie est écologique. Alors, ici, c'est une autre image de cet Écotechno Park. Voici quelques éléments combinés de notre entreprise en Biélorussie. Nous avons 36 bâtiments et structures, plus de 30 000 unités de machines, 86 bureaux d'études, dont le bureau d'études de technologies spécialisées et 36 hectares
du centre de démonstration et six complexes de transport sur le territoire. Deuxièmement, nous avons un deuxième centre test à Sharjah sur plus de 28 hectares. Okay? Dans ce centre, il y aura 4 pistes. Le début de la construction, c'était en 2019 et les premiers essais ont déjà été effectués aujourd'hui. Lors des premiers essais, il y avait l'émirat de Sharjah et cette année, nous prévoyons de construire une piste de 2,4 km où nous accélérons le transport jusqu'à 150 km. OK. L'équipe de travail sur le terrain. Et lisons cette déclaration de M. le CEO Hussein Al-Mahmoudi, qui est le CEO de Sharjah Research Technology and Innovation Park. Il dit, une start-up biélorusse en partenariat avec SR, Sharjah Research Technology and Innovation Park, a déjà construit des pistes d'essai suspendues et suspendus qui pourront transporter cargaison et passagers. Après un test réussi, le gouvernement annoncera la construction de ces routes dans la ville de Sharjah. On parle bien évidemment de notre système de transport. Ici, c'est Madame la directrice générale Nadez Dakozareva de Unisky String Technologies. Okay? L'équipe d'Unisky String Technologies est composée de spécialistes hautement qualifiés avec une excellente formation. Okay, les centres d'essai aux Émirats arabes unis sur une superficie de plus de 25 hectares. Il y aura 4 pistes, comme on l'a dit tantôt. Et nous avons quelques éléments de l'équipe de Sharjah, qui travaille à Sharjah. Et voilà, ces personnes sont rencontrées, on peut les rencontrer, on peut les contacter. Et ils travaillent jour et nuit pour que cette technologie soit un succès. Alors voici l'équipe qui travaille à Sharjah sur le site. Nous avons un unique compte et un unique flash. Vous voyez, c'est écrit. Le coût du transport de conteneurs est de 1 dollar pour 100 tonnes par kilomètre. C'est énorme. Et qui ne voudrait pas d'une tête? Je me pose toujours la question, qui? OK, ici, nous avons les contacts, OK, pour pouvoir faire une visite au centre d'innovation technologique de Sharjah aux Émirats arabes unis. Vous pouvez contacter un des numéros ci-dessous. Et vous pourrez prendre rendez-vous pour une petite visite guidée. Ici, ce sont des numéros pour la visite aux Émirats en Biélorussie, autant pour moi, à Marie d'Agorka dans l'éco-technoparc. Le magnifique site, OK, d'Unisky String Technologies aujourd'hui, c'est ust.inc. Vous pouvez y aller et voir toutes les informations concernant cette technologie. Ce projet aujourd'hui, d'accord, passera dans 22 jours à la 15e étape. Nous passerons à l'étape 15.1 dans 22 jours. Donc, le 10 mai, le projet passera à l'étape 15. Et en l'honneur donc de cette de l'anniversaire du docteur Anatoly Nitsky qui était hier, le 15 avril 2023, donc, le 16 avril, autant pour moi, 2023, l'entreprise a mis sur pied une promotion limitée pour les partenaires en l'honneur de l'anniversaire de Anatoly Unitsky. Elle est vraiment limitée, cette promotion. Le 16 avril, Anatoly Unitsky, qui est auteur de la technologie à code et concepteur général de la Société de développement USTI, a eu ses 74 ans. Au cours de sa longue carrière, il a apporté une contribution significative au secteur de l'innovation et a créé une technologie de transport de pointe, fondé une entreprise internationale avec des projets dans le monde entier et a réuni des milliers de personnes. À l'honneur de cet événement, donc, la promotion exclusive Unis 714 est devenue disponible dans le back-office et se termine dans 3 jours, soit le 21 avril 2023. Offre est disponible uniquement pour les partenaires qui ont 1 000 $ d'investissement personnel sur tous les comptes depuis le 1er janvier 2020 et ceux qui, pendant toute la période de leur participation au projet, ont acquis jusqu'à 100 000 parts avec des certificats enregistrés et avec une exigence signée. Alors, si vous remplissez ces conditions, une fois connecté dans votre back-office, vous pourrez voir que vous avez accès à cette
promotion Unilite UniPro. Alors, un événement aujourd'hui, vous pouvez le faire parce que nous sommes très très proches de la fin. Vous voyez vous-même, nous sommes à quelques jours de la dernière étape, qui est l'étape 15. Alors, qu'attendez-vous? Rejoignez tout de suite la personne qui vous parle, qui vous a parler de ce projet, présenter ce projet afin de ne pas manquer cette opportunité. Tout le monde peut participer à partir d'un montant minimum de 50 dollars et des tempéraments pratiques ont été mis sur pied pour être payés sur 5 mois. Et nous avons plus de 4 millions, 400 000 autant pour moi, investisseurs dans le monde entier aujourd'hui. Nous sommes déjà à près de 600 000, okay, partout dans le monde. Y compris des hommes d'affaires, des femmes, des ingénieurs, des personnes de différentes professions, des perspectives d'investissement. En participant à ce projet aujourd'hui, donc, qu'est-ce que vous gagnerez? Premièrement, des dividendes. OK, en cas de mise en œuvre réussie du projet, des projets commerciaux dans différents pays, vous pourrez donc recevoir des dividendes, une partie des bénéfices des projets de l'entreprise, 20% des bénéfices sont répartis sous forme de dividendes. Nous attendons encore l'annonce des premières dividendes avec impatience. Alors, le rachat des parts. La direction peut annoncer un rachat des parts comme en 2018 et 2020 où les investisseurs ont la possibilité d'échanger les parts de manière plusieurs fois rentable. Le troisième élément, c'est l'héritage. Les parts sont votre propriété. Vous pourrez donc être en mesure de les léguer à vos enfants et petits-enfants en héritage. La valeur actuelle départ est plusieurs fois inférieure à leur valeur nominale et l'entreprise peut décider plus tard d'entrer sur le marché boursier à une valeur nominale d'un dollar. La valeur départ pourra donc être très très augmentée, multipliée même par 100. Alors, vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Bekontech et Instagram à ces différentes adresses que voici. Donc, je vous dis merci, merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres nouvelles du projet et une présentation magnifique de ce transport révolutionnaire qui s'apprête à occuper plus de 50% du marché mondial du transport et qui est évalué à plus de 400 milliards de dollars. Donc, rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao.